Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 281 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Timberman. Timberman qui est un jeu tout petit. Alors je vais le présenter. Alors du coup le prochain jeu qu'on va faire, je vais les connaître étant donné que je viens de foirer pas moins de 6 enregistrements vidéo. Voilà, donc je vous le dis à vous dans cette vidéo. Les 6 prochaines vidéos, ben c'est des jeux que je vais connaître, voilà. Donc elles vont être forcément un peu moins longues que les vidéos que je peux faire d'habitude. En tout cas, j'aurai l'impression de beaucoup plus les connaître parce que d'habitude, bah, je découvre avec vous. Du coup, j'ai un peu raté l'effet. J'ai eu un petit problème. Alors, juste en résumé, je vous le raconte parce que comme ça va être une petite vidéo, celle-là, j'en profite. J'ai eu des problèmes d'écran bleu. Je vous l'avais dit dans les anciennes vidéos sur mon ordi. Des problèmes d'écran bleu. Je viens de manger, putain, j'ai des hauts le cœur. Je raconte ma life. Et en fait, le problème, c'est que j'ai réinstallé mon pilote son et en fait, il n'y avait pas le mixage stéréo. Et en fait, j'ai enregistré 6 épisodes en parlant, mais il n'y a pas le son du jeu. Voilà. Donc, on est reparti. On peut jouer à ce jeu avec la manette et avec la souris. Il vaut mieux jouer avec la souris clavier plutôt qu'avec la manette parce que c'est compliqué. Voilà. Donc, en option, on a. Voilà, 2-3 trucs, pas grand chose, et on va se mettre en single player. On va choisir un personnage. Alors hop, voilà, je peux choisir le personnage. Alors par défaut, on commence avec le bûcheron rouge. C'est un jeu de bûcheron, vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais le sélectionner, tiens, pour commencer. Et en fait, voilà, il suffit de. Le jeu démarre à partir du moment où vous coupez le premier morceau de bois. Donc c'est parti. Et c'est parti. Et vous allez de gauche à droite, vous allez de gauche à droite. Et vous perdez la partie si vous touchez une des branches. Et donc du coup, voilà, il faut aller le plus vite possible parce que il y a une petite jauge qui va nous obliger à aller de plus en plus vite. Et voilà, regardez, j'ai perdu à 94. Et c'est reparti. Et on chop. Et vous imaginez chop à chaque fois que vous regardez. Bon, à chaque fois que je mets un coup, vous imaginez qu'il y a chop. Et voilà. Je sais pas si je vais battre mon score dans cette vidéo. Mon score de 194, il me semble. Oui, j'ai battu mon score. Et voilà. 205. Ball Head Unlocked. Ok. Ah merde. Donc du coup, je voulais choisir un... changer de personnage, voilà, c'est ça ce qu'on va faire. On va changer de personnage. Et j'ai débloqué quelqu'un. Ballhead. Parce qu'après, vous avez tout cela qu'il faut débloquer à 555. Et Ballhead. Baldhead. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, il n'y a aucune différence entre les bûcherons. Hein. Vous savez ça ou quoi. Mais juste d'avoir des skins différents. Et c'est reparti. Alors, au bout d'un moment, vous commencez à avoir un peu l'habitude des troncs. J'espère qu'on n'entendra pas trop mon clavier, du coup, dans la vidéo. Je m'étais déjà posé la question et, en fait, j'ai pas vérifié sur mon premier enregistrement. Parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de son sur la piste du jeu. Et du coup, j'étais dégoûté. Voilà. Donc, je vais avoir du mal à refaire un score qui soit... aussi bien. En fait, je me concentre. Je suis en train de me concentrer. Multiplayer game available. Alors, il y a un mode multijoueur. Mais je vous conseille pas d'y jouer parce qu'il y a personne déjà. Et puis ça lag. En fait, j'ai pas pu y jouer parce que ça faisait que de planter la session. On n'arrivait pas à démarrer la partie. Donc j'imagine même pas la partie. Et je sais pas, en gros, c'est du VS quand vous jouez en...
Quand vous jouez avec un... Oh putain, quand vous jouez en ligne, c'est du VS. On peut être jusqu'à 4. Je pense que celui qui gagne, bah, c'est celui qui va le plus loin. Après, je sais pas... Ou alors qui atteint un certain objectif, je sais pas du tout du coup. Parce que j'ai jamais pu démarrer une partie, donc je peux pas vous dire. Ah, là, je suis un handicapé. Je sais plus jouer. Alors là, en mettant les deux mains, c'est un peu plus sympa à jouer. Ouais, sauf que, ouais, non, je suis quand même un handicapé. Alors, je vais essayer non plus de pas faire, voilà, comme je vous ai dit, pas une vidéo non plus trop longue. Parce que, bon, enfin, c'est toujours la même chose, hein. C'est un mini-jeu. Puis bon, ça sert à rien de voir toujours. Toujours la même chose. Hop! Allez, on s'en fait encore quelques parties, je vais voir si je peux... Ça m'étonnerait que je batte mon score, déjà que... Dans la première vidéo, j'avais eu du mal à battre mon score. Là, je l'ai battu dans cette deuxième. Ça va être un peu dur de monter au-dessus. Après, il faudrait que je me laisse du temps, parce que c'est pas... Le truc, c'est que c'est pas... Ouais, on peut y aller tout doucement si on veut. Après, c'est juste quand vous avez envie de... Quand vous avez envie d'être un frimeur comme moi, vous dites tiens, je vais essayer de faire un score de ouf. Ah non, ta mère. Vous imaginez le nombre de fois où j'ai appuyé sur ces putains de touches de clavier? Et en fait voilà, le piège qu'on a quand on est avec deux touches, c'est qu'on a tendance à vouloir appuyer sur l'autre. Et non. Et voilà, et je pense qu'on va s'arrêter là parce que je suis un gros nul en fait. Alors tiens, on va essayer de retourner sur le mode multijoueur, multiplayer. Alors soit vous le faites en local, soit vous faites un quick play. Et à ce moment-là, hop, on sélectionne, waiting for opponent. Donc c'est des vrais gens qui sont vraiment en train de jouer à ce jeu-là. Voilà. Donc comme c'est des jeux très 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 casual que vous jouez 5 minutes, ça doit pas être facile de réunir des gens. D'ailleurs, putain, on peut parler au micro. Connecting. Oh, putain, on peut jouer. Oh. C'est juste pas possible, on comprend plus rien ce qu'on fait. You win! Oh yeah! Ça c'est bien ça. Oh, je suis un winner quoi! Je suis en ligne et je gagne en plus. You win. Not ready. Waiting for ready. Allez Dorny, fais pas ton mauvais joueur là. Ah, oh, je suis sûr qu'il a live. Ah non. Run, throw. You win. Rank change. Eh ben ça c'est cool mon petit. Rematch. Ah ouais, moi je rematch, aucun souci quoi. Allez, faites pas les mauvais joueurs, on va se refaire une petite partie. Ça change, en plus je voulais finir ma vidéo, puis en fait on est là. Voilà. Ah là, il a rage. Oh, 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 on a un pote. Ou si bien il est trop fort le mec. Oh putain, il a un masque. Ah, il a un mec d'Halloween. Il doit pas être mauvais. Ah, j'ai perdu. Regardez-moi ce gros bâtard de... Ah non, il a pas... Ah, pas mal. Par contre, mon rank, il va se casser la gueule. Bon, je m'en fous un petit peu, mais... Skill, je sais pas ce que c'est le skill, il y en a un qui a 600 quand même.
You win. Allez, vas-y. Cette fois-ci, j'en ai gagné une, j'en ai gagné une. Allez, c'est trop bien. Oh, le petit grec, là, avec ses caractères pas français du tout. Ah, tu fais moins le malin, là. Ouh, you win. Voilà, là ça rigole plus, là ça rigole plus. Oh putain, le troisième s'est barré, le quatrième s'est barré. Il n'y en a plus qu'un qui est en lice. Je vais te niquer, je vais te niquer. Et je suis un bon bûcheron quand même. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Je m'étais dit qu'en ligne, je me ferais démonter si j'arrivais à y jouer. Ça continue, mon dieu. Ah oui, l'autre il doit se dire, putain je vais gagner, il doit se dire ça. En fait l'autre, il voulait pas dire mais, ah putain, rank change, j'en ai pas. Ah mon dieu, j'ai perdu. Et ben voilà, hop, on est revenu sur l'écran, d'ailleurs l'écran il est tout le temps différent, c'est un peu comme les niveaux. Et ben on a fini cette vidéo. Timberman sur PC, sur Steam, j'imagine qu'il existe peut-être sur mobile. Ce genre de jeu, on peut, je suis sûr qu'on peut jouer hein, avec une tablette. Ou ouais, un tablette, un téléphone, hein. Je pense qu'il y a moyen, c'est juste un arbre qui descend quoi. Après, la mode A4, c'est peut-être un peu compliqué. Ouais, peut-être que sur PC. En tout cas, il est volontairement pixelisé, ça se voit. Et graphiquement, bah, il va bien, même s'il est pixelisé, c'est du bon pixel, c'est sympa. Et puis c'est, voilà, c'est très casual. On arrête là pour cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Johan, cette fois-ci bien enregistré aussi. Voilà, avec un jeu, je pourrais pas vous dire, mais j'ai ma petite idée sur le jeu, le prochain jeu. Et ben on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à commenter, à partager, et je vous dis salut.